Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo travaux. Il s'agit des travaux de rénovation de notre cuisine. Donc, c'est un gros chantier. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les images. Alors, je vous montre le avant. Donc à la base d'une cuisine qui était orange, vous voyez, la chérie a déjà fait un tiroir parce que là en bas c'est des, je ne sais pas si on voit bien, mais on avait recouvert avec du film adhésif, on avait repeint et sur une colonne on avait fait en, enfin, on avait fait en papier adhésif, imitation frêne. Et le reste on l'avait peint couleur un peu prune, aubergine, donc là on va tout redécaper de manière à refaire tout blanc. On va repeindre les éléments, les deux grandes portes en blanche également. Les portes ici sous l'évier, et ça c'est une porte tourniquet ici. Et puis donc cette grande tour qu'on avait également repeinte, et les portes avaient été mises en papier adhésif. Le avant, je vais prendre du recul pour qu'on essaye de la voir en entier. Et je vous montrerai le après. Ça serait génial. On se retrouve pour le lessivage des meubles de cuisine. Donc j'avais déjà, mais à un moment, la lessive donc Saint-Marc. J'ai pris les éponges, la tenue de bricolage et c'est parti pour le lessivage. Alors, je vous montre où on en est au niveau de l'avancée des travaux. Donc, toutes les portes des placards ont été retirées. Elles sont en bas pour être peintes. Il y a déjà eu une couche de peinture de fait. Et là, ici, pardon, tous les caissons ont été repeints en blanc. La peinte, enfin, c'est blanc sous couche. Hein. La plainte du haut également. Donc, tous les côtés, la même chose ici. Donc je n'ai pas repeint volontairement cette corniche parce qu'elle va sauter, ainsi que ce plan de travail là en carrelage, puisque ce que je voudrais c'est un plan de travail en bois, un peu comme l'îlot. Donc vous voyez, tout a été repeint. Ça c'est que, enfin, quand je dis repeint, c'est sous couche hein. Pour l'instant il n'y a pas eu encore de couche de peinture. La même chose ici, tous les caissons ont été sous-couchés, voilà, je vais dire plutôt ça, sous-couchés. Et puis, ben, y a plus qu'à, comme on dit maintenant, il faut passer à la peinture.
La peinture est officiellement terminée, donc je vais vous faire un tour rapide déjà de la phase 1, parce que la phase 1 c'était vraiment repeindre tous les éléments de cuisine parce qu'ils étaient en couleur aubergine et je ne pouvais plus supporter. Donc la phase 1 est terminée, la phase 2 sera changer les plans de travail, donc je vais prendre des plans de travail en bois en fait, donc ça sera la phase 2 avec une crédence normalement en carrelage blanc, donc ça ce sera vraiment la phase 2. Je vais également changer mon évier pour mettre un évier avec un seul bac de manière à avoir un plus grand ici espace de travail. Donc tout ça, ce sera du plan de travail en bois, juste un bac comme ça, et ici un autre plan de travail en bois. Voilà, histoire d'avoir plus de place pour cuisiner. Donc ça, ce sera vraiment ce qui nous restera à faire. Donc changer le plan de travail ici, changer l'évier et refaire toute la crédence en carrelage. Et quand tout ça sera terminé, il nous restera donc le papier peint à changer. Il n'y a pas grand chose, il y a juste ce petit pan de mur là, ce petit pan de mur ici, et puis et donc le troisième pan, c'est vraiment derrière le frigidaire. Il y a juste un angle comme ça, il n'y a vraiment pas grand chose à faire en papier peint. Et là, ce sera terminé. Mais bon, déjà, là, on en avait un peu marre parce qu'on a été obligé de faire trois planches par trois planches. On peignait en bas au sous-sol et on avait une grande table qui nous sert en dépannage et on ne pouvait mettre que trois façades par trois façades. Alors, chaque façade, deux sous-couches de peinture blanche pour masquer au maximum la couleur bordeaux-aubergine, là. Et derrière, deux autres couches de peinture. Et cette peinture, c'est ce qui nous restait de la cheminée. Quand on a fait notre cheminée, il nous restait de la peinture lin intense. Et j'ai dit, tiens, si on faisait ça, et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, on y va, on se lance, parce qu'on en avait vraiment marre de cette couleur-là, aubergine, c'était vraiment, il y a plusieurs années de ça, donc maintenant, c'est bon, quoi. On va passer à quelque chose de plus clair. Voilà, bon, ben, je vous montrerai la suite la prochaine fois. Bye bye. Donc je vais clôturer cette vidéo phase 1 des travaux de rénovation de la cuisine. Je vais m'attaquer au montage. Je me suis rendu compte justement en faisant le montage que j'avais pas clôturé cette vidéo. Donc là alors je vous parle, on a attaquer la phase 2, c'est-à-dire retirer tout le carrelage, retirer tout le plan de travail. C'est un chantier, mais où on a mis les pieds, quoi. Je vous inclurai une photo et vous verrez que c'est pas de la petite rigolade, hein. Mais bon, faut passer par là, hein. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais faut quand même être gonflé pour attaquer ce genre de travaux. Mais c'est pour la bonne cause. J'espère que cette vidéo travaux rénovation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!